Certains réalisateurs sont tellement doués qu'ils parviennent au travers de tous les genres et de tous les scénarios possibles à nous parler des mêmes thématiques et même à nous raconter la même histoire. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est un mythe, une légende du cinéma moderne, un réalisateur capable de raconter la même histoire avec toujours autant d'inventivité. Et tu comptais parler de Monsieur Spielberg sans moi en plus. Steven Spielberg est un réalisateur américain qui officie dans la production audiovisuelle depuis près de 44 ans. Ce qui commence à faire un petit moment, je l'avoue. Il a une filmographie superbe, jalonnée par la science-fiction, traversée par des figures emblématiques du cinéma moderne et emportée par un élan épique et humaniste qui traverse les genres, les générations et qui permet à ses films de devenir des œuvres cultes et qui traversent le temps. Dès ses débuts, Steven Spielberg a toujours voulu montrer la même chose, le combat de David contre Goliath, de l'homme contre une puissance qui le dépasse, et peu importe le genre, il y parvient toujours. Et plus loin que cela, Spielberg est un homme fasciné par le combat de l'homme avec le quotidien, et arrive à le retranscrire avec une beauté unique au travers d'œuvres simples. Ses œuvres simples transcendent le cadre de cinéma, devenant ainsi des objets émotionnels rares qui mettent avant tout l'immersion en avant pour mieux conquérir le spectateur et le rendre attaché au récit qu'il va voir. Souvent proche de l'enfance et du besoin de garder l'innocence proche de soi, Spielberg cherche ainsi à jouer avec le côté fantastique et imaginaire du cinéma, pour retranscrire le besoin d'évasion du spectateur au cœur de ses histoires. Spielberg est un homme qui regarde le cinéma à travers les yeux d'un enfant. Et même si ses récits ne prennent pas forcément leur point de vue, ils cherchent tout de même à rappeler leur place au sein de l'histoire. Ce qui rend un récit intense, c'est avant tout le point de vue qu'il a sur son déroulé et sur sa longueur. Et le point de vue d'un enfant est toujours beaucoup plus simple et immersif que celui d'un adulte. Il saisit ainsi un besoin essentiel au cœur d'un long métrage, ce qui fait l'essence même du 7e art, cette idée qu'un récit est avant tout dirigé vers un rapport protecteur que l'on peut avoir autour d'une figure qui nous fascine et que l'on ressent comme proche. Ainsi, on aborde le centre même de l'univers et des intentions que Spielberg dévoile au fil de ses films et de ses personnages, qui finalement ne sont pas si éloignés que cela. Ce qui est fascinant, c'est que Spielberg trouve le moyen de raconter toujours, ou presque, la même histoire au cœur de ses longs métrages. Comme cela, et on ne le remarque pas forcément, Steven Spielberg raconte toujours l'histoire d'un père qui se bat contre son passé, et pour ses enfants, afin de faire en sorte qu'ils survivent à l'épreuve du temps. Que ce soit face au temps, face à l'inconnu, ou face au plus grand fléau de l'humanité, sa capacité autodestructrice, Spielberg peint toujours l'histoire d'un père lié par le sang ou par la figure paternelle à un enfant, et cherche ainsi à mettre en avant un portrait profond de celui-ci. L'histoire qui liera ces deux êtres pour toujours, devenant alors un terrain de jeu magnifique pour les émotions que Spielberg adore manier dans ses films. La technique que Steven Spielberg met en place dans ses films est avant tout un objet d'immersion, afin de mettre en avant ce genre d'histoire, et que le spectateur se sente au plus près des personnages. Permettant ainsi à ses récits de devenir les témoignages de notre courage le plus profond en tant qu'être humain, par le biais d'une image superbe et envoûtante. L'esthétisme de Spielberg vient ainsi parfaitement compenser la maestria narrative de ses récits, prouvant bien qu'il est un auteur de génie, capable de cerner ses histoires dans leurs profondeurs les plus universelles, prolongeant ainsi une expérience de cinéma vers une réflexion humaniste ou simplement un divertissement efficace. Il parvient alors à faire du cinéma son terrain de jeu dramatique. Entrer dans l'œuvre de Spielberg, c'est entrer dans un monde magnifique qui cherche avant tout à émerveiller le spectateur et à faire en sorte que l'on se retrouve de manière totale dans les portraits de ses personnages et dans le monde qu'il peint. D'une intensité rare, d'une générosité folle, le cinéma de Spielberg est aussi éclectique que fascinant, aussi jouissif que prenant, et il est un des seuls rares maîtres à maîtriser encore le cinéma dans son essence la plus pure.